Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Warhammer 3 sur quelque chose de pour à qui se lève. On est avec Galen et Katox toujours. Salut! Excusez-moi, j'ai dû vous interrompre pendant que vous parliez bébé. Bonjour. Pas de problème. Du coup. Ouais, l'armée qui s'approche là, épique. Hein. C'est bon pour moi aussi, je passe le tour. Ouais, toi t'as deux petits copains. Ah non, ton un il reste plus rien. Ouais, il y en a un, c'est une quiche. Par contre, l'autre il a au moins 4 porte-peste exaltés. Bah, c'est drones. Ce qu'on a eu là. Hein. Ouais, bah ça doit être, ouais, mais j'imagine. Bon, de voir une armée comme ça par secteur quoi. On avait deux armées pour les gérer, c'était plus facile. Du coup, le poste avancé, je vais le faire chez qui? Chez moi. Sur qui se lève. Je sais pas encore le faire. Quand t'auras les sous. Non, c'est juste que je sais pas encore le. Ah si. Ah bah si, normalement tu dois pouvoir, vu qu'on est tous alliés. Poste avancé, la cour de JR. Ah voilà, c'est bon. Voilà. Après, tu peux en faire un chez moi aussi, vu que j'ai deux villes, mais. D'abord chez Galden, quoi. Alors, est-ce qu'il va se jeter sur moi avec ça? Ce pourrait être folklore. Il pourrait aussi ramener du monde. Ah non, c'est Korn. Korn qui vient foutre la merde. C'est héros. Ah, il a pas baissé de puissance, quoi, c'est ouf. Hein. Incoming. Ouais, allez, un petit siège. Il attaque tellement donc, ça. T'aimes tellement ça, le signe des sièges. À vous. Ah ouais, non mais à fond. Ton kiff. Non mais il attaque pas, on va pouvoir ramener Onyx. J'ai renommé les personnages, donc maintenant c'est Onyx Karpralov qui est ici. Et on va le défoncer. Nous on va défoncer Bolgazgrad, je pense. Histoire de Nikatox. Ouais. Ah, zut, c'est le lag. De en emplacement. Donc là, mon armée est armée à 20. Elle est à 20, donc c'est bon. Ah, moi je suis qu'à 19. Bon, j'ai utilisé le recrutement global. Alors la question c'est qui est-ce qui la prend. Là on est à 20. C'est la bonne question. On va passer en mode normal. Est-ce que toi. Au pire, on s'en fout. Maintenant on peut faire des échanges de cités après. Hein, c'est pas faux. C'est pas faux. Moi je peux arriver, j'ai un 20-20 et j'ai de l'artillerie. Ok. Toi t'as la garde du Tsar, donc c'est peut-être. D'accord. Il recule pas. Hein. Oh sérieux! Avec 3 armées. Ça va, c'est la teuf quoi. Il te fait quoi? T'es en défaite? On est en victoire à la Pyrrhus, mais genre on perd l'intégralité de l'armée d'Onyx quoi. Ah oh, putain, ah, d'accord. Moi j'ai pas de petit grom, mais quand même quoi. Ah, d'accord. T'as sauvegardé là? Ouais, j'ai fait une petite sauvegarde. Ouais. Il a de down. Warrior Dame, Enfant de Nurgle, Drone de la Peste. Ah, il y a quand même 3 mouches. Bah, c'est quasiment un copier-coller de ce qu'on vient de combattre. Ouais, ouais. C'est, ouais, ouais, bah, c'est la même, je pense. Ouais. Il doit y avoir une par province, je pense qu'il y en a une. D'où le nom, quelque chose de pourri à qui se lève. Pas du tout. Franchement, ça sent bon. tout ce pu, c'est tellement agréable. C'est ça. Vous auriez pas un peu de bétadine? Est-ce que vous pourriez... Ah ouais, les renforts arrivent dans son dos. Ah mais quel renfort? Bah, normalement ça devrait être l'armée d'Onyx, parce que sinon j'ai attaqué depuis la ville, donc... Ouais. Ça typiquement, c'est pas tout à fait... optique. Pas tout à fait très très cool. Ouais. Et puis ça correspond pas à ce qu'il y avait sur la carte. Ouais, il aurait dû arriver de côté quoi. Je l'avais placé pour qu'il arrive de côté. Non bah du coup va falloir qu'on court hein, au milieu des forêts et des lacs. C'est parfait. Alors les renforts ils arrivent dans 2 minutes, bon. Au moins on a le temps d'accrocher un peu. Ouais, enfin, techniquement c'est plus celui qui risque de t'accrocher là. Bah franchement s'il vient ça me dérange pas.
Je préfère qu'il vienne et qu'on lui tombe dans le dos plutôt que il annihile l'armée de l'autre pendant que nous on galère à le rattraper. Est-ce que t'as pas plutôt intérêt à caler ouais, sur une zone comme ce que je fais en vert là, ouais. Histoire d'être quand même un ou alors sinon sauf si tu veux vraiment le prendre en sandwich. Mais... Ouais, franchement, on a une armée qui est quand même pas si nulle, hein, faut pas déconner quoi. Si tu rush dès le départ, tu peux utiliser Ishii comme ça. Si tu te cales. Ouais, bah je pense que c'est. Ouais, c'est ce que disait Gelden, mais après. Partir là. Comme ça, tu en fait. Tu veux t'appuyer sur le petit rocher là. Mais le petit rocher et le lac. Ouais. Parce que du coup, ça fait vraiment un gros goulot d'étranglement et puis. Les renforts, à limite, si besoin, on peut encore faire arriver. Ouais, il lui arrive bien sur le flanc, dans le dos. Et puis si besoin, on sait encore faire le contour du lac sans trop de détours. Quoi. Est-ce que tu veux gérer la cavalerie, Katox, comme d'hab? Je sais que t'aimes bien ça. Enfin, en tout cas, dans mes souvenirs, t'aimes bien ça. Est-ce que tu préfères les tireurs ou les unités de front, Gelden, pour l'occasion? Non, bon, on peut rester comme ça. Ou je te donne l'armée d'Onyx quand il arrive, sinon. Ouais, sinon on fait ça. Oh, terrible. Comme tout à l'heure. Yep. Voilà, je peux me mettre dans le coin de la map. Tuck. Bon, allez, on va faire votre stratégie. Ah, joli. C'est parti. Joli, là. Le petit coin de map. Il est beau. Dans les bois. Là. Le petit coin de map caché. C'est moche. Alors du coup, toc, on va regrouper un peu les unités parce que j'aime pas quand elles sont trop loin. Toc, 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 voilà, ça me prend 20 secondes, excusez-moi. Je peux tous les bouger N'hésite ou pas? Pas à plus garder les petites troupes, la petite piétaille à moitié entamée en arrière-garde. Mm. Parce que sinon, si je suis dès le départ, ça va faire des dégâts moraux. En plus, ouais, c'est de la garde du tsar. T'as peut-être intérêt à les laisser derrière. C'est les garnisons. En fait, les unités qui sont dans le mal, là, c'est les unités de garnison qui commençaient juste à se former. D'accord. C'est comme de la bonne garde de tsar, 90 d'armure. Ça va. Toc toc, on va vous laisser ici. Toc toc. Et c'est course élémentaire, hein, c'est pas. Ah, il est magnifique, lancez les matières. Ici. Vous allez là. Ah, l'ours, franchement, il est assez décrié parce qu'il est relativement fragile en vrai, mais c'est vrai qu'il est quand même super classe. Hein. Il y a pas mal d'unités chez Kislev qui ont une sale réputation déjà là, alors que je les trouve franchement assez intéressantes à jouer. Que ce soit le Léopard des Neiges ou. Ou les gardes de givre, ou l'ours. Comme moi, je les trouve vraiment sympathiques. J'ai assez peu joué Kislev encore. Je crois que quand t'arrives contre une armée très spécialisée, ça devient plus complexe comme encore. Que... Ouais, c'est sûr que. C'est... Allez, j'enlève la pause. C'est plus compliqué à jouer que Korn, quoi. Mais... Ouais, bah, c'est sûr. Hein. C'est tellement fort quand même. Vite. Bah surtout leur faction vraiment la faction de Scarband là, qui peut se reformer même chez adversaires. C'est vraiment complètement abusé. Enfin rien que ça pète tout le game hein, je trouve personnellement. Vraiment abusé cette faction quoi. Bah Korn c'est un snowball quoi, une fois que tu l'as lancé c'est parti, mais faut le lancer quoi. Il commence pas dans une situation particulièrement difficile quand même quoi. Non, pas encore. Ça va. Comme c'est toi qui attaques, c'est toi qui dois aller le chercher. Ouais, bah d'abord je vais me placer. Ce qui est bien c'est que ça te permet de... Puis tranquille tes renforts. Sans truc qui commence à tirer là déjà. On est à portée. Non, on n'est pas à portée. J'ai cru entendre tirer mais non, ok, ça doit être un petit bug sonore. Un PTSD. Je sais qu'il me tire dessus, il est quelque part.
Bon, il a son ours, Kostalkin. Ouais, ouais voilà. Ah, on déconne moins là déjà. Là. Ouais, acclamez-moi. Non, mais c'est trop ça. Il se tourne, il lève ses bras là. Ouh, c'est moi, Kostalkin. 40 secondes, il va être temps d'avancer là. Hop, allez. La deuxième ligne derrière. Les archers, vous allez ici. Kostalkin, tu vas courir les flancs. Toi, tu vas là. Ici, on a quand même quelques archers pour gérer les. Enfin, c'est les mouches, c'est étonnant qu'il n'y a aucun. Enfin, que j'ai pas du tout été programmé pour prendre en compte l'arrivée des renforts. Et tant qu'ils sont pas là. Ouais, elle prévoit pas du tout. Toc. Gelden, c'est à toi. Go. Merci. De gérer la répartition parce que là ils sont partis en charge. Ouais, je vais peut-être mettre pause 2 secondes le temps de prendre le truc. Ils sont peut-être pas tous rentrés là. Non, je les ai pas tous encore. Il en manque, non, il en manque plein. Ok, je te laisse. Ouais, tu peux voir en fait ce qui est. Je te dis quand c'est ce que je voyais. Ouais. Ouais, juste, tu les arrêtais quand même. Ouais, arrête déjà ceux-là. Ah, ouais, ils peuvent peut-être pas rentrer. Hein. Non, ils peuvent pas rentrer à cause des petites unités de merde. Ouais, ouais. Du coup, je suis un peu limité. Tac. Ça fait qu'une. On va pas trop les chercher trop vite. Non, non, mais. Parce que là, t'es parti. Ouais. Là, je vais pouvoir commencer à tirer un peu. Putain, les intersections d'angles de tir de toutes les unités de tir de Kislev, c'est un peu de bordel quoi. On a oublié personne, on a oublié nounours. Nounours, tu dis avancer jusqu'à. Bouge tes fesses. Bah, du coup, ça vaudrait presque le coup que tu sacrifies tes unités de garnison. Ouais. Les petites merdes là. Bon, écoute, elles vont être sacrifiées toutes seules, je pense. Charge de mouche. En cours. Les mouches se font démonter. C'est le but. Il les a lancés et les a arrêtés. Il faut. Chevaucheur de grenouille. Ouais. Ouais, bon, je voulais envoyer mes petites unités à la con gérer les grenouilles histoire de les sacrifier, mais. En fait, les grenouilles se cassent donc. Moi, j'avance avec. La garde du tsar parce que. Voilà. Ah, il y a son. Merde. J'envoie la cavalerie dessus. Je fais le tour. T'es où toi? Ça va envoyer les 8 petites unités là toutes seules. Il y a des unités qui sont sorties aussi. Yes. Des renforts. Tac. Merci.
Allez, on a deux archers sur le grand Timon, il se fait quand même bien défoncer. Les mouches essaient tranquillement. Les lags, c'est la galère là. Je vais envoyer mon général en plus sur le Wildam. Ça va de ton côté, ouais, ça se gère. Ouais, le grand Timon il se balade un peu dans mes lignes, mais on le défonce quand même globalement. On a une garde qui serre aux fesses. Ouais, ça commence à lâcher. Voilà, allez hop, go. T'as besoin que je vienne en soutien aussi, ou pas? Non, ça devrait aller, son sorcier va tomber là, le grand Timon est mort. Ça me libère une garde du tsar complète pour s'occuper du reste. Voilà, tout ouais, c'est fini. Les porte-pèces vont douiller. Voilà, c'est fini. Toc. Il y a juste le broyeur d'âme qui va mettre 50 ans à tomber encore. Ouais, puis il y a un déchu quasiment neuf qui s'enfuit, du coup. Ouais. Ils ont mode là. Ça va, ouais, c'est ouais. Sûr que les derviches, c'est pas les mêmes que les lanciers ailés, hein, pour s'occuper de ça. Ouais, limite, laissez-le crever tout seul. Hein. Non, parce que... Ouais, il va tirer. Si tu le laisses, si tu le laisses tout seul, il tire. Il tire, ouais. Ouais, c'est vrai que le général il prend cher, mais. Ouais. J'attends l'infanterie, allez, barre-toi. Allez, on va aller entraîner Kostalkin sur le dos des déchus. Ça y est. D'ailleurs, j'aurais pu mettre vitesse 4 déjà. Hein. Tu devrais arrêter de faire tirer. Ouais, c'est ce que j'étais en train de faire. Mais bon, le temps de trouver tout le monde. Contrôle Q pour tout sélectionner. Toc, allez. Reste quoi là? Un deux mecs, un mec. Allez hop. Ouais. Victoire de justesse. Bah, c'est mieux que perdre une armée entière. Bon, clairement. Surtout que pour le coup il lui reste mais zéro quoi. Il y a personne qui s'en est tiré, ça fait bien plaisir. Puis on commence à avoir un petit peu d'XP mine de rien avec nos troupes là. Par contre Onyx il va prendre de l'attrition. Il faudra les faire avancer en mode garnison quoi. Ouais, mais là j'avais besoin qu'il vienne en renfort. Là. Pas tout avoir. Mais je peux sortir Kostakin, mettre Kostakin en garnison et rentrer. Hop, on va prendre la thune pour une fois. Est-ce que déjà tu peux te mettre? Non, tu peux pas te mettre. Donc toi, tu vas sortir, tu vas te foutre en campement, voilà. Et toi, tu rentres dans la ville. Tu peux pas rentrer dans la ville, bah, tu vas te mettre en marche forcée, tu vas rentrer dans la ville. Et tu vas gentiment fermer ta mouille, Onyx. J'y vais du coup, Katox. Ouais, je peux aller en. Moi, je peux aussi faire la charge s'il faut. Non. Je vous laisse essayer décider. Essaye de faire en sorte d'avoir 50% si tu peux. Tu vas mettre en. Ok, c'est l'assaut sur la ville. Ouais,
J'attends. Pas sûr de pouvoir me mettre en 50%. Mais je peux venir à côté de toi, mais c'est tout. Boris Ursus himself. Non, mais ça me suffira si tu te mets en soutien. On your feet. Oh, il a un deuxième petit grom, le gourmand. The lost Tsar returns. Victoire à la Pyrrhus, je perds quasiment toute mon armée. Ah ouais, non, mais en même temps, en face, il y a de la violence. Hein. On va la jouer aussi. Hein. Ouais, bah, c'est le but. Je me demande s'ils ont pas forcé les batailles auto-pourries pour te faire aller combattre, quoi. Je crois que dans celui-là, ils ont réduit un peu les batailles auto. C'est vraiment le truc, genre... Et quand vraiment c'est écrasant, c'est là que tu peux la faire. Dans les autres, ouais. Parfois, tu pouvais faire un snowball de bataille auto. Au bout d'un moment, tu fais plus que ça. Toutes ces mouches. Pas de grand immonde, par contre. Il n'y a pas de mur, là. Hein. Non, il n'y a pas de mur. Ah putain, pardon, j'ai pas rejoint l'équipe, excusez-moi. Oui, le temps que le truc charge. Il y a pas mal de voies d'accès. Hein. Je crois que c'est la. Ça doit être le même style de ville qu'on a fait dont on a fait l'assaut tout à l'heure. Ouais, ça ressemble, ouais. Les... Ouais, c'est la même. Le symbole en bas, le pattern en bas à gauche, là, il est classique. Ah, il s'est renforcé en extérieur. Ah oui, il avait une armée à l'extérieur, oui. Exact. Mais d'ailleurs, c'est la majeure partie de son armée qui est à l'extérieur. C'est presque dommage qu'on puisse pas prendre les points pour commencer à construire des barricades nous-mêmes, c'est ça que tu dis. ce ciel jaune bien purulent. Oh. Sympathique. On sent un petit peu... On sent la patte de Nurgle. Ouais, ça sent la patte de Nurgle, ouais, comme tu dis. Ah... C'est pas tout à fait la même ville. Hein. Attends, si c'est la même ville de ce côté-là, c'est ici, ouais, hein. si c'est la même. Ouais, ici c'est la même. C'est que j'étais juste. J'étais juste mal posé. Hop là. Et ben. Ah ouais, d'accord. Et ça, les deux renforts arrivent en même temps, j'imagine. Ah non, nous un peu avant. 10 secondes, 20 secondes avant, 10 secondes avant. Ouais. Peut-être qu'on sert à les... En cavalerie, t'en as pas des masques à Tox ? Non. Et ça dépend ce qu'il va faire sortir d'abord, parce que je vois pas accès à tout. Si, la Thorax à tout. La Thorax à tout, ouais. C'est 48 unités. Ah ouais, ça va. Qu'est-ce qu'on va faire? Bah, le truc c'est que toi il faut pas trop que tu t'isoles parce que vu le... Non c'est clair. Il va quand même terminer deux armées dans le dos. Quoi. Bah, je la vais... garnison doit pas être super forte donc ça vaut de la peine de tenter une entrée en force dans la ville. Ouais. Bah attention il y avait une demi-armée dans la ville avec la garnison. Ah ouais. Ouais en effet. Ouais. Oui donc... Elle avait pas mal de mouches je crois de mémoire mais je suis pas sûr que c'était celle-là. Il y aura quand même effectivement quelques armées. Je pense que ça peut valoir le coup de se déployer pas trop loin. Alors le souci c'est dommage parce que l'armée de renfort arrive pile sur un bon angle d'attaque de la ville quoi. Eh oui. Ouais. Bah après tu peux te dire que tu gères l'armée de renfort avec l'armée de Katarina, et puis c'est Katox qui s'occupe de prendre la ville. Hein. S'il sort pas de la ville, il y a peu de chances qu'il le fasse. Ouais, sauf que ça veut dire qu'il va accumuler de la. Des points. Des points de la ressource, ouais. D'accord. De ravitaillement, ce qui est quand même génial. Ouais. C'est vrai. Bah sinon. Et puis même le temps que je me débarrasse. Non, mais je vais rentrer. Je vais rentrer par les deux accès que j'ai. Si tu rentres par là, sinon c'est une stratégie un peu classique, hein, c'est les tu mets des cavaleries un peu partout pour qu'ils se dispersent et puis t'essaies de prendre des points quoi. Je vais mettre Katarina là. Si t'as besoin que je gère des troupes, tu me dis. Hein.
À la limite, pendant un temps, je vais te faire gérer cela. Hop. Sur la... Sur la porte du haut. Je reste sur ce flanc-là. Okay, ouais, tu restes là où ils sont, et puis... qui est le plus rapide, 75-84-100, c'est le lynx. Ah, j'adore les strelsi. L'unité, je la trouve exceptionnellement bien. Quelles unités? Les strelsi. Ah, les strelsi. Infanterie à grande hache mitrailleuse. Rien que par le nom, tu m'as conquis. Ah oui, c'est clair. Ok. Et ben c'est parti. Hop. Oui, ça paraît être... La couelle, et... le baiser... Ah non, il en a effectivement très très peu dans le, à l'intérieur. Je viens de découvrir un truc. Je peux bouger mon accès renfort, je peux forcer le renfort... Il faudrait que tu poses... Tu peux mettre en pause, s'il te plaît, Tox. Ouais. Merci. Tu peux de déplacer ton... Ouais. En fait, le point que tu as, tu peux faire un drag and drop et le faire arriver par un autre côté, mais plus tu le déplaces, plus tu plus vas ça prend avoir du temps. Ah, c'est malin ça. Ah. Donc ça c'est peut-être intéressant quand c'est un endroit que ça te pop, ça t'arrange vraiment pas. C'est vraiment de la merde, ouais. Ouais, peux, c'est pas mal. Modifier. J'avoue. Alors, toi là. Il y a effectivement moyen dans ce cas-là qu'on lui pique beaucoup, beaucoup de points. Avant le... Je suis loin de tout, moi. Je vais essayer de rusher le point de morale. Ouais, si tu peux aller choper le centre. Ouais, je vais essayer. Ouais, mais c'est loin. Garde du sort qui court. Ouais, je vois bien de quoi tu parles. Je vais pas leur jeter la pierre, hein. Courir avec autant d'équipement dans la neige. Ouais, les Russes ils le font. Ouais, bah ils s'épuisent. C'est pas faux. Ok. Quand vous voulez. C'est bon. Faut que t'enlèves la pause, Katox. C'est parti. C'est bon. Il m'a mis des barricades, mais du coup il y a qu'une seule tour en face de moi, donc ça va. Je vais voir à chaque fois quel tour dépend de quel endroit. Mmh. Bah moi c'est pas dur, hein, c'est le centre. Hein. Ouais. Barricadé du tout. Alors, givre mortel, non. C'est trop loin pour ça. Petit jaguar. Bon, il court là, les mecs. On va pas se faire chier à leur tirer dessus. On a des angles de merde. Ah, si, en fait, il a du monde en plein centre. Ah, il y a des mouches qui se pointent là-bas. Celles-là, on va les allumer. Oh, le léopard de neige, il sert vraiment de. De scout. Ça va, se démerde pas trop mal avec les mouches. On va laisser une garde du tsar. Les renforts sont arrivés. Ah. Tu. On met en pause. C'est bon. Bon. Est-ce qu'il souffre un peu? On sait à combien d'arguments on se gère. Allez les gars, faut pousser, on a pas le temps de glander là. Vous êtes des gardes du tsar, on va pas faire emmerder par des putains de mouches quoi. Match
ni par les Nurgling. Allez, en position. Toi, tu vas au centre. Ouah, merde, j'ai mon léopard qui se fait bouffer. Oh, by the Orthodox. Je pense qu'il va y avoir des renforts qui vont me tomber dessus un moment. Mais bon, pour l'instant, j'occupe un peu les troupes. Un peu, toi, t'es pas censé non plus fight comme ça. Ok, là c'est la déroute, on va aller se faire la barricade. Non, l'ennemi attaque notre allié, le veu là. Derrière. Ça se passe bien de votre côté? Je commence à voir les mouches franchir les remparts, moi. Ça va, jusque là tout va bien. C'est juste que mon léopard qui a pris un peu cher. On a pris 2 ravitaux sur 4. C'est plutôt bien. Une petite triple charge là sur les porte-pestes qui se prennent la Légion du Griffon, des Nounours et Boris. Ça fait beaucoup. Bon, j'ai géré la petite avant-garde qui protégeait le centre, je commence à attaquer les barricades. Il y a 4 mouches en embuscade derrière. Hein. Je pense que l'armée ennemie va finir par me tomber dessus par derrière. Ça fait un peu chier d'utiliser des flèches pour ça, mais... Pétez-moi cette barricade, les gars. Ah putain, j'ai une bête de merde, je te barre. Toi, on avait dit que tu te barrais. Allez, go. Personne pour défendre ce centre-ville là, à part quelques mouches. Faut se bouger les fesses maintenant. Si on le prend, on élimine cette tour. Ah mais oui, mais c'est parce qu'il y a un vieux mur ici qu'il n'a pas pu monter. C'est par ça. Je sais pas du tout où sont les renforts. Hein. Je sais pas si vous les avez engagés, vous, mais... Bah, ils arrivent aussi. Par ces mouches, moi... Ah oui, ça y est, ils arrivent ici, ok. Oh putain, c'était quoi ça? Taking position. March or Kislev. Frost Maiden. Wherever Ursan asks. Il me charge avec son broyeur d'armes. Ça fait mal. Bah, je peux faire ça plutôt qu'il reste une saison à distance, mais... C'est vrai que c'est particulier. Mais toi là, toi. Bon, ça y est, les mouches entrent dans la danse. Et il y en a qui prend un peu cher. Non, non, oh putain, le coup de. Où ça va? Le coup de broyeur d'âme sur la petite copine là.
C'est bon, GG, on a... T'as pas le centre. On a pris le centre. C'est de me débarrasser des petits trucs qu'il m'a envoyé, mais... Voilà, encore faudrait essayer d'en... d'en aligner un maximum. Yep. Parce que toute son armée alliée... faut essayer de faire en sorte que ne termine pas vivante, sans particulier déchu. Pour l'instant, j'essaie de gérer les mouches et le broyeur d'âme. Et le petit grom qui s'énerve. Qui est énorme quand même. Ok, le moral commence doucement à se casser les gueules. Tournez-vous par là, vous. Il va où, lui, hein? Putain, sérieux, quoi. Il est en train de faire je sais pas quoi, le broyeur d'âme, il va même plus vite que mes gardes, donc je peux pas faire grand-chose. On va se concentrer sur ce qui reste là, tant pis, hein. Ah mais on n'utilise pas la même réserve de magie, toi et moi, Ketox. Non, c'est lié aux armes. Non, c'est... moi j'utilise la tienne par contre. Ouais. Je commence à lancer la chasse aux déchus qui sont derrière. Pour info. Peut-être pas lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait le tour, d'accord, c'est ce que je me disais. Toi tu veux venir par ici. Alors vous, ce serait bien que vous puissiez vous dégager de ces saloperies. Ils vont s'en occuper les gardes, c'est pas un problème. Ah, il y a du déchu qui arrive là. Broyeur d'armes, je sais pas ce qu'il fait. Ouais, je me stresse en tout cas. Quelque part, je préfère qu'on ne sache pas ce qu'il fait et qu'il ne fasse pas grand chose. Ah, il fait des tours de pâté de maison. Ah, ça y est, il s'y met. Il se bouge. Il a fait tout le tour du pâté de maison et puis il est revenu. Je suis d'accord, hein, je préfère ça. Il en veut à mademoiselle. On va essayer de la sauver. Ça y est, plus de morale. C'est bon, il commence à s'écrouler. Hein. Bon, je vais essayer de me concentrer sur les déchus. Ouais. Ils sont où? Non, ils sont là. Puis le broyeur d'armes va faire le taf. Waouh, ça lag dur là. Oui. Ce petit ralenti là. C'est quand même vraiment cool de pouvoir faire des batailles comme ça. Ça se termine pas sur un plantage. Non, faut pas dire ça. C'est vrai que ça bouge plus du tout là. Oui. Bon bah de toute façon il fallait qu'on arrête l'épisode de... Ça fait presque penser à la fin de campagne de Slaanesh, ça. On va s'arrêter sur ça, on va voir si ça plante ou pas, mais on va pas vous imposer de regarder ça. Alors bouge un peu. De toute façon la bataille est gagnée. Ça, donc, ça bouge encore un peu. Ouais, ça se déplace lentement quoi. En tout cas j'espère que cette série vous plaît et que bah, vous éclatez. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit nom si vous jamais vous voulez se rejoindre l'aventure. Et puis bah on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Ciao. Salut.